Et yo tout le monde, c'est UnderAxel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on en avait fait une de nos modes. Donc, il y a la première partie qui est déjà prête. Je vais la tourner en plusieurs parties, mais sur le même épisode. Il y a Mister Chicken ici. What? Donc, comme vous venez de l'entendre, nous sommes sur une snapshot. On est sur la 15W51B. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un mode de gag gaming qui est le mode pour avoir des mines. Je vous mettrai le lien dans la description ainsi que le lien vers sa vidéo à lui. Et on va commencer tout simplement. Donc pour commencer, vous devez créer vos tables de craft. Donc pour créer la table de craft, vous mettez une table de craft, moi je l'enfonce, puis vous jetez un dropper par-dessus et vous avez votre table de craft. Donc on va passer, pour commencer, les mines normales, puissantes, incendiaires et de proximité. Donc la mine normale, c'est à la base de tous les autres crafts qui suivent. Donc il vous faudra une torche de redstone, une TNT et une plaque de pression, tout simplement. Et Mass test TNT, je ne me suis pas vidé l'inventaire, je vais le faire tout de suite. Donc vous avez la landmine, je vais me vider l'inventaire et j'ai jeté la mine au mauvais endroit. Voilà. Donc comme vous venez de le voir, pour mettre la mine, il suffit de la jeter par terre. Hop. Vous attendez un peu. Il y a un petit dig. Et quand vous marchez dessus, ça explose. Il faut toujours attendre le petit indicateur sort. C'est un petit ding, comme vous venez l'entendre. Et ça fait assez bien de dégâts. Donc, ensuite, on a la mine puissante qui se craft avec deux TNT, une landmine comme vous venez de crafter avant et 6 poudres de creeper. Donc vous mettez la landmine et voilà, vous avez une powerful landmine, donc la mine puissante qu'on va aller tester dans le champ de mine. Donc vous voyez le trou ici, donc vous jetez, vous attendez l'indicateur sonore. Et boum! Donc vous avez vu, elle est quand même beaucoup plus puissante que la landmine normale. Ensuite, nous avons la mine incendiaire qui se fabrique comme ça, avec 4 de charbon, 4 torches et une landmine. Donc nous avons 4 de charbon, 4 torches. Et la landmine qui nous fait la landmine incendiaire. Vous la jetez au sol, vous attendez l'indicateur sonore et vous marchez dessus. Et comme vous voyez, elle fait non seulement une explosion et en plus elle met le feu. On va encore vider un peu l'inventaire. Parce que j'en récupère des blocs. Et ensuite, nous avons la mine de proximité qui se fabrique avec 7 plaques de pression, une landmine et une potion d'invisibilité. Celle-ci, elle est particulière parce que elle explose pas quand on marche dessus, mais quand on est déjà à deux blocs. Donc, quand on est à deux blocs de la mine, elle va exploser. Donc on s'en va un peu plus loin. On la jette. Je m'écarte, comme ça vous pouvez voir. On a l'indicateur sonore. Et quand on se rapproche, vous avez entendu, mais il y a un petit indicateur sonore aussi quand on se rapproche et elle explose quand on a une certaine distance. Donc c'est la fin de cette partie-ci. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Et nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce mode. Maintenant, on va passer aux mines cachées. Donc, les mines cachées, c'est simple, vous passez toujours par
une landmine que vous entourez par exemple de 4 de dirt, 4 d'herbe, 4 de roche ou 4 de sable. C'est les seuls qui existent. Donc on va commencer par la première mine cachée qui est la mine cachée de dirt. Hop. Donc on a la hidden landmine. On va dans notre mine, on la jette au sol. Voilà. Il faut attendre le temps qu'elle s'active et vous aurez cette texture-ci pour la mine cachée. Et encore une fois, ben, ça a le même effet que la landmine habituelle, sauf qu'elle est cachée. Elle est valable pour l'herbe, la roche et le sable. Nous allons les crafter tout de suite. Hop. Et j'ai raté mon coup. Donc on a l'herbe, la roche, qui sont des crafts très similaires, donc il n'y a pas grand chose à varier. Donc on a le sable, la roche et l'herbe. Nous allons de nouveau dans le champ de mine, le sable, la roche et l'herbe. Nous allons attendre. Voilà, comme vous pouvez voir, elle est quand même visible, mais pas trop. Quand on marche dessus, ça explose. La roche, bah, de nouveau, c'est juste que la texture est plus foncée. Mais à chaque fois, bah, c'est quand même relativement discret dans le paysage. Et nous allons attaquer la dernière partie de ce nomade. Et nous revoilà pour la dernière partie de cette présentation de nomade. Donc nous allons voir les mines qui sont plutôt spécifiques. Donc nous avons la mine qui est pour les joueurs, la mine pour les chevaux et la mine uniquement pour les monstres. Donc la mine pour les joueurs se craft encore facilement une pioche en bois, une épée en bois et une landmine. Donc comme ceci, j'ai déjà tout prévu. Donc nous avons la spéciale landmine uniquement pour les joueurs. Donc on va aller tester tout de suite la landmine. Hop, nous la jetons. Je sais pas où elle est tombée. Je sais pas. Ah bah je l'ai pas jetée, excusez-moi. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc nous avons la landmine spéciale pour les joueurs. Il faut toujours attendre le petit ting, je crois. À moins que celle-ci. Ah non, celle-ci, il n'y a pas d'indicateur sonore. Comme ça, je suis fixé. J'ai même pas testé ces landmines juste avant. Ensuite, nous avons la spéciale pour les chevaux qui se craft avec 2 de blé, 2 de cuir et une landmine. Donc, se craft comme ceci, comme vous venez de le voir. Donc, nous avons la spéciale landmine exprès pour les chevaux. Voilà. Donc, nous allons la mettre ici. Nous allons faire spawner un cheval. Bien sûr, il faut le dresser. À moins qu'il se dirige lui-même. Enfin, regardez. Enfin, moi, quand je marche, il n'y a rien. Par contre, le cheval, s'il veut bien se diriger par là, ou bien qu'il veut bien que je le dresse, il y a un deuxième village là-bas. Je viens seulement de le remarquer. Merci de te laisser dresser ou bien d'aller vers la mine. S'il te plaît. Des chevaux dans Minecraft, c'est la joie, tout le temps. Ah, voilà. Bien sûr, je n'ai pas de sel. Hop. Enfile-moi ça. Voilà. Donc, après cette petite péripétie, quand on se dirige. Ouh, il fait. Il est là, il se voit snapshot. Mais. La landmine, elle n'a pas explosé pour moi, mais elle a explosé pour le cheval. Donc, on va jeter ça ici. Voilà. Et maintenant, nous allons arriver sur la petite dernière, qui est la spéciale pour les monstres uniquement. Donc, elle se craft avec 2 de chair putréfiée et 2 de. Enfin, 2 os.
Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Hop, se craft comme ceci. Nous avons la spéciale mob. Enfin, mob hostile, c'est pas précisé, mais c'est uniquement pour... enfin, pour les monstres. Et encore une fois, je me suis trompé de touche, ce n'est pas grave. Donc, pour ça, nous allons mettre... On va mettre la nuit, comme ça, notre petit zombie pourra spawner tranquillement. Et si on se met en game mode, forcément, il va être attiré vers nous. Et bien sûr, il m'a fait exploser avec, vu que ce sont des mines assez puissantes. Et c'est ce qui va clôturer la présentation de ce nomade. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi. J'essaierai de refaire plus de nomades. Et aussi faire des présentations de mods. Si pas, dites-le moi aussi, je vais arrêter. Et on se retrouve pour un prochain épisode. On verra quand. Allez!